Ça passe pas, bon, j'étais blessé un mois, j'ai eu un mois d'entraînement à peine. C'est l'athlète, c'est comme ça, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie. Hein. C'est, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, c'est comme ça, on est humain, c'est un test. Bon, c'est ma première course aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas couru, donc c'est, on va dire, ça m'a servi de séance réellement. Et moi, j'aurais aimé faire un chrono quand même, je ne le cache pas, mais après, voilà, on fait avec les conditions du jour. J'étais pas bien aujourd'hui, j'ai essayé d'accrocher au mieux. Oui, jusqu'à quand dans la course à peu près ça... Je commençais à craquer un petit peu avant le 3000. En passage du 3000, il passe en 8 minutes, je passe en 8-2. Donc je suis 2 secondes derrière le peloton, après je me retrouve tout seul. Je cours tout seul, bon après je craque puisque c'est ma première course, ça fait très longtemps, j'ai pas couru on va dire sur piste, tout ça. Faut que je retrouve mes automatismes et tout. Et bon, j'ai pas fait aussi de séances assez rapides pour pouvoir... espérer un excellent chrono. Quoi. Qu'est-ce qui te reste comme chance là ? Bah écoutez, normalement je devrais courir sur 3000 steeples. Donc dans une semaine. Donc là je vais bien récupérer de ce soir. Et j'espère que d'ici là ce sera bien, ce sera mieux quoi, sur 3000 steeples. Et je ferai les championnats de France derrière. Donc voilà. Merci. De rien, bonne soirée. Hassan, ça passe pas, ça passe plus. On te sent déçu quand même là encore ce soir, non ? Ouais, je suis super déçu, ça fait pas plaisir, j'ai abandonné aujourd'hui et ça me fait pas trop plaisir, mais bon. Bon, dans la vie d'un athlète, ça arrive, mais qu'est-ce qui manque là ? Tu sais, t'as changé les choses au niveau de ta vie d'entraînement, des études Non, je suis toujours à Lyon, je suis en première année en école d'ergo, ergothérapeute. D'accord. Et voilà, j'ai rien changé, je pense qu'aujourd'hui j'étais pas tout à fait prêt pour faire un 5000 mètres. Et donc voilà, j'étais vraiment pas bien. Mais j'espère que je vais rebondir pour les prochaines courses et pour le reste de la saison. Ouais, c'est quoi l'objectif de ta saison maintenant ? Bah là, je suis un peu dans le flou là ce soir. Ouais. Bah, on verra, je vais en parler avec mon coach et mon entourage. Et puis aller aux élites déjà ? On verra, ouais, j'espère aller aux élites. Je pense que je serai beaucoup mieux dans 2 semaines. On verra après pour refaire un 5000. Bah, je vais me battre jusqu'au bout pour faire un chrono cette année, parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis pas un pistard, et je pense que j'en suis bien, je suis aussi bon sur cross que sur piste, et voilà, c'est peut-être un peu mental là, il faut juste une petite course pour débloquer quelque chose, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai pas fini un 5000, et maintenant à chaque course j'ai une petite pression au départ, qui n'est pas la même sur le cross. Et voilà, j'espère qu'il y aura une course qui pourra me libérer de ça. Bon courage. Merci, ouais.